Quand j'ai eu mon diplôme en 2009, j'ai appelé tout de suite mes parents pour leur dire que j'ai réussi. Il m'a dit, occupe-toi d'eux comme si c'était ta mère et moi qui sont là. Donc tu sais, si tu dois t'occuper de tes parents, comment tu dois te comporter? J'ai dit oui. Je vais tenir parole jusqu'à la fin. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas ne pas faire autre. Je peux pas. J'avais la possibilité d'avancer plus que ça, mais j'ai dit non, je reste aide-soignante. Mais si. Pour être plus proche. Parce que je me dis infirmière, non, je ne suis pas toujours, je suis pas proche. En restant aide-soignante, je suis en contact direct pendant des heures avec les personnes âgées. Et ça, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je me dis que je ne peux pas faire autre chose que ça. Je ne peux pas. Même si je n'ai pas tout le temps merci, de reconnaissance, mais ça me fait du bien. Je me sens que je fais quelque chose sur terre. Je donne un sens à ma vie, en quelque sorte. Je me dis qu'en venant travailler, en venant aider, même si j'ai un salaire derrière, qui n'est pas du tout comparable avec ce que je fais sur le terrain. Je me dis qu'il y a un sens sur ce que je fais.